Il reste des pâtes, tu en veux? Non, tu peux te les garder, tes pâtes, elles sont froides. Sylvie, viens voir ici. Sylvie! T'as pas un peu l'impression de me prendre pour une bille? Pourquoi tu dis ça? Tu le sais très bien. T'as rien à me dire? Non. Je vois pas. T'es sûr? Oui. Bah c'est ça. Tu te fous de ma gueule. Bon, d'accord, d'accord. Je vais tout te dire. J'étais persuadée qu'il avait tout compris. Je savais pas comment, mais qu'il savait tout. Je tremblais de peur. Je savais qu'il allait me hurler dessus. Peut-être même me frapper. J'allais tout lui avouer quand il m'a coupé la parole. Je sais que t'es rentré ici à 17h au lieu de 14h. Monsieur Mabille a tenté de joindre le bureau, en vain. Moi-même, j'ai essayé d'appeler, évidemment, personne jusqu'à 17h. Je te signale que je suis pas payée, comme toutes les femmes des petits artisans. Je suis pas un petit artisan, je suis un entrepreneur.